La semaine dernière, nous avons laissé les Dinkas. Nous les retrouvons aujourd'hui très occupés à pêcher. Vous le voyez, ils pêchent avec désinvolture, avec majesté même. Inlassablement, ils jettent leur harpon jusqu'à ce qu'ils transpercent un poisson. S'ils n'en transpercent pas, ben mon Dieu, tant pis. S'ils en transpercent un, eh bien, ils sont ravis. Ici, tout est logique. Le cordelier confectionne les cordes. Celles-ci sont réservées aux harpons. La vache est un signe de richesse. Aussi a-t-on intérêt à nettoyer très publiquement sa peau, après avoir ignoré totalement sa viande. La viande, il ne la mange jamais. La vache deviendra un sujet de conversation pour salon. Chez les Dinkas, on parle vache comme à Londres, on parle du derby d'Epsom. Deux méthodes de piler le mille. Voici la seconde. Elle est préhistorique. Photo de famille précédent, vous allez voir celle de cette beauté d'Inca qui est la plus élégante de Chambé, puisque nous sommes à Chambé. Au beau milieu des marais de Bar El Jbel, nous entrons dans les marais où se sont perdus de nombreux explorateurs. Depuis 50 ans, ce sont les Français qui ont ouvert les premiers la voie. Mais depuis des millénaires, vous allez voir ce qui habitait là. Des papillons. Une mante religieuse, double de celle que nous trouvons chez nous. Voici les oiseaux, bec ouvert. C'est une façon comme une autre de chasser rapidement. Le jacanus, dont les doigts de pied sont très longs, aussi longs que le corps, ce qui lui permet de marcher sur les nénuphars. L'ibis sacré des anciens Égyptiens. Des hérons gris et des grues couronnées. Ce sont des animaux domestiques dans l'Égypte ancienne. Ce sont de grands échassiers, 80 cm de haut environ. Voici l'oiseau bec de chaussure. Il est curieux. C'est un animal tendre et sentimental. Très sentimental. Et d'une lenteur. Ça n'est pas un ralenti. C'est son pas habituel. Voilà. On pose pour les caméras. C'est dans le pays de Chilouk que nous rencontrons cette nouvelle race soudanaise. Quant au fleuve, lui, eh bien, il s'en va tout droit vers le nord sur une immense plaine de 800 km. Le vent du nord soulève des vagues. Les Chilouks sont de race noble, puisqu'ils ont droit à la peau de léopard. Ils miment à la perfection les parades des guerres d'autrefois. Avec la caméra, il est facile de franchir des centaines de kilomètres. Et nous nous retrouvons beaucoup plus au nord. Cette fois, nous avons affaire aux pêcheurs nubiens.
fut une autre race soudanaise. Là, le fleuve atteint 25 km de large. Poussé par le vent, il déferle comme la mer. Drôle de rencontre. Vous voyez, il est très agité. Et c'est le désert de Nubie. Là, 23 séries de rapides et de cataractes se succèdent. Cobra, petit animal charmant. Il ornait les temples de l'ancienne Égypte. Le puff harder, la plus sale bête du bassin du Nil. Venant de la mer Rouge, les Adandoa, ils ont poussé leurs chameaux à travers le désert jusqu'au fleuve. Bien décidés à s'y rafraîchir. Nous croisons maintenant les premières ruines d'influence égyptienne. Elles ne sont pas égyptiennes. Toujours très agité. Le limon se dépose et la culture reprend, et l'âne piétine le résultat de cette culture. Ainsi, le grain de blé sortira de l'épi. C'est dans cette région, et à peu près à ce moment, que nos amis ont mangé des tripes crues poivrées. Très exactement maintenant. Et la courtoisie a exigé qu'ils aillent jusqu'au bout. Nous leur souhaitons bon appétit. Pas du tout, ce n'est pas de l'eau, c'est du sable. Du sable chassé par le vent. Rapides et cataractes deviennent de plus en plus difficiles et il fait 52,5 degrés à l'ombre. Presque rien. C'était à prévoir un bateau à chavirer. Mais c'est une catastrophe. Parce que les sacs étanches étaient mal fermés. C'est une erreur qui leur a coûté de nombreuses heures de patience pour démonter et remonter les appareils de prise de vue. Les roches ont été cruelles et il faut réparer. Et voilà ce que l'on peut s'offrir dans le désert de Nubie.
Il y a ici tellement de canards que même à Bâle, on est sûr d'augmenter le repas du soir ou celui du déjeuner, Poitou, pourquoi pas. Grattons le sable et vous allez voir que l'on va trouver quelque chose, quelques œufs de tortue, exactement comme des balles de ping-pong, comestibles par exemple. Prépare le déjeuner. En plein soleil. Et après, mon Dieu, il faut faire la vaisselle. Le fleuve entre dans le Bat El Agar, ce qui veut dire le ventre de la pierre. Cette région est aride, le soleil torride. Là, leurs nez se sont brûlés et la peau de leurs mains s'est détachée d'elle-même. Le paysage est vraiment très beau. Là, il faut subir l'épreuve du portage. C'est la plus grande cataracte du Nil. Épreuve particulièrement pénible parce que les roches sont brûlantes et l'ambiance est celle d'une étuve. Les Nubiens se chaussent de sandales de paille pour éviter les brûlures. Et ils sont habitués au climat, à la température, à la chaleur. Vous pensez ce qu'ont dû endurer nos explorateurs? Voici où Champollion est venu après avoir traduit les hiéroglyphes. Et mon Dieu, c'est à lui que nous devons 4000 ans d'histoire.